Et bonsoir à tous les amis, bienvenue! Bienvenue à tous les amis pour ce nouveau live en ce mercredi 28 août 2024. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Stéphane, bonsoir Mad Dog. Bonsoir Cégureau, bonsoir Stéphane, je t'ai déjà dit bonsoir Stéphane, mais rebonsoir, bonsoir Free Eagle, bonsoir David, bonsoir Nico, bonsoir Frenesi, bonsoir Maxime, merci beaucoup Bac Griot pour le follow, merci Perceval pour la série de 3 visionnages consécutifs, merci à tout le monde et bienvenue, bienvenue également à la team des viewers de l'ombre qui sont là comme tous les soirs, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau live. En ce mercredi 28 août, comme je vous l'ai dit, on se retrouve ce soir pour sans doute un double live, puisque ce soir on continue Uncharted Drex Fortune, le remaster de sur PS4 que l'on stream sur PS5, et on va bien entendu le terminer, et je pense qu'on va le terminer assez rapidement, puisqu'on en est dans les... il reste 3-4 chapitres, il me semble, si je dis pas de bêtises, donc on risque sans doute sûrement de partir ensuite sur Inzoi. Inzoi qui est le fameux Sims-like hein, qui fait beaucoup parler parce que... Ah attendez, c'est bon, j'ai allumé tout, j'ai l'impression d'oublier des trucs. Là, l'émulateur ne marche pas, enfin pas l'émulateur, le boîtier d'acquisition ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe encore? On va pas nous empêcher de partir... Ah ça y est, ça marche, je préfère. Je croyais que c'était pas safe avec Steam. Alors justement, je me suis renseigné et apparemment c'est de belles conneries. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le jeu, tu as un moteur de recherche et c'est sur ce moteur de recherche en fait qui collecte tes données, qui collecte tes recherches, etc. Mais ce que tu cherches dans le jeu. En gros, c'est les cookies, ce que font tous les moteurs de recherche actuellement. Il y a autre chose également, concernant Steam, etc. Ils prennent que les données que tous les jeux prennent, à savoir ton profil, tes statistiques de jeu, tes statistiques en jeu, etc. Ils ne prennent pas de mot de passe, sachant que même Steam n'a pas accès à ton mot de passe, c'est une combinaison de codes qui te permet de valider ou non ton mot de passe, mais même Steam n'a pas accès, donc Inzoi n'a encore moins accès. Donc voilà, donc en fait c'est encore une fois des fake news qui se répandent sur les réseaux sociaux, donc d'où le fait qu'il faut faire attention, d'où le fait que je me suis bien renseigné en amont sur ce qu'il était réellement dans ces finalités. Donc voilà. Du coup il sort quand? Alors en complet on ne sait pas. Il y a juste une early access qui arrive l'année prochaine. Et là, apparemment, il y a une démo sur le créateur de personnages. Et certaines personnes ont eu accès à des démos pour tester le jeu en live, etc. Je suis en train de me renseigner, savoir si je vais pouvoir en avoir une ou pas. Mais voilà, en gros. En gros. Donc voilà, mais avant tout ça, petit planning comme à chaque fois. Avant tout ça, ce soir... on termine Uncharted Drex Fortune. Alors moi, comme je vous le dis, à mon avis, je pense qu'on en a pour une heure. Donc à mon avis, vers 21h30, ce sera terminé. Voilà, je pense, voilà. Il y a la conduite aussi... ah ouais ? Ah ouais, je ne me suis pas trop renseigné sur Inzoi, parce qu'à la base, il ne m'attirait pas du tout. Parce que trop réaliste, pour moi, ça me dérange. Mais on verra. Mais donc du coup, voilà, Uncharted Inzoi ce soir. Et donc jeudi, vendredi, on continue et on termine Test Drive Unlimited 2. Et pour la semaine prochaine, je pense qu'on va attaquer Life is Strange. Pourquoi? Parce que Life is Strange Double Exposure arrive fin octobre. Qu'en octobre, ça va être chargé. Parce que mine de rien, on va attaquer Elle est Noire fin septembre, je pense. Donc Elle est Noire va nous prendre une bonne partie du mois d'octobre. Il y a Until Dawn qui va ressortir. Là, il y a Astro Bot qui va arriver. Ça va être un petit peu la galère, il y a Test Drive Unlimited Solar Crown. Donc je pense que on va attaquer Life is Strange maintenant, sachant qu'on va faire Life is Strange et le standalone Before the Storm. Maintenant la véritable question, c'est
Est-ce que on commence Elenor, on va l'attaquer fin septembre, je pense. En gros, on torche Astrobot. Une fois qu'Astrobot il est torché, on fait Elenor. Mais du coup, est-ce que je commence par Life is Strange et après on fait le DLC Before the Storm qui se déroule avant Life is Strange? Ou alors, est-ce qu'on commence par le DLC Before the Storm, qui est un préquel, pour ensuite finir en beauté avec Life is Strange? Et là, je pense que demain, je vais faire un sondage sur Twitter et sur mes réseaux. Comme ça, directement, on va pouvoir... Ah oui, il y a un truc que je voulais vous montrer. C'est ça. Comme ça, on va pouvoir directement voir un petit peu ce que vous en pensez. Parce que du coup, je sais pas du tout par quoi commencer. Donc sachez qu'il vous faut aussi deux Life is Strange, parce que Before the Storm est un petit peu plus court, mais quand même, je pense que on en a bon pour bien deux streams dessus. Life is Strange, premier du nom, je pense qu'on en a bien pour quatre streams dessus. Donc voilà, il faut quand même s'organiser. Mais voilà un petit peu ce que je vous prépare. Donc en gros, pour récapituler, les prochains jeux qui vont arriver sur la chaîne, Astrobot, Test Drive Unlimited Solar Crown avec bien entendu, des soirées communautaires. Life is Strange Before the Storm, Life is Strange, Elenor, Until Dawn. Voilà, c'est les 6 jeux qui arrivent prochainement sur la chaîne. Et après, on fera sans doute aussi un... Ah, le jeu que je voulais faire sur PS2. Le GTA Like The Getaway. Putain. Waouh, le trou de mémoire. Ça y est, c'est la vieillesse. In the character, je trouve pas sur Steam. C'est In the character studio. Tu tapes juste In the, normalement il tombe direct. Hein. Normalement. Star Wars Outlaw est hyper daté, c'est ouf, catastrophique, je trouve. Mais c'est ton commentaire qui est catastrophique. Star Wars Outlaw est très bon. Est très bon. Arrêtez de faire vos spécialistes. Tu cumules combien d'heures de jeu, Snaim, pour dire cela un petit peu que l'on rigole un petit peu. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est ça. Il y a Croc qu'on voulait faire. Eh ben, ils vont nous sortir un remake. Alors je sais pas si c'est un remaster ou un remake, mais Croc est de retour. Si ça, c'est pas complètement zinzin. Donc ça, bien entendu, ce sera Day One en stream, les amis. Parce que du coup, je voulais le faire en stream. Bon, on va attendre la version. Voilà. C'est fermé la bêta? Oh non, c'est terminé? Oh non, l'Epic Fail! C'est terminé! Le 26. Oh non, mais la loose! Oh, mais la loose! Bon, ben voilà, pas de Inzai. Pas de Inzai. Coucou mon Attila. Mais du coup, pour revenir à Star Wars, non, je suis désolé, mais l'avis, il est catastrophique. Il est catastrophique parce que en quoi il est daté? En fait, là, t'as même pas répondu à ma question sur le nombre d'heures que tu cumules. Ça veut dire que tu n'y as pas joué. Et en fait, moi, c'est ça qui m'énerve beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai fait mon thread. Parce qu'en fait, le problème, c'est que 95% des gens qui descendent le jeu n'y ont pas joué. Donc, au bout d'un moment, les gars. Mais les mécaniques sont datées. Alors, déjà, elles sont beaucoup moins datées que certains jeux Ubisoft où ils ont fait un effort. Je pense que vous allez pleurer du sang pour Assassin's Creed Shadow. Parce que moi, depuis le Summer Game Fest en juin à Los Angeles, je vous préviens que pour moi, Shadow, c'est pas bon. Et donc, tout le monde est un petit peu très hype sur Shadow parce que c'est au Japon. Mais je pense que vous allez voir flou. Mais objectivement, et je pense que ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez que j'ai jamais été trop tendre avec n'importe quel éditeur, hein, même avec Rockstar et Naughty Dog. Mais alors, du coup, encore moins avec les autres où je suis beaucoup moins fan. Enfin, encore moins, non, pareil en fait. Mais notamment Ubisoft où bah, justement les Assassin's Creed, etc., je les dézingue. Mais je pense qu'il faut être très objectif et arriver, et aussi c'est un peu mon rôle en tant que journaliste, d'arriver à vraiment avoir cette grosse objectivité. Ou le fait que, quand par contre il y a des choses positives et des choses bien, bah il faut le dire. Et en fait, Ubisoft, même si ces derniers temps,
c'est compliqué par beaucoup de choses, eh ben, il y a Ubisoft Massive qui sont vraiment en train de pousser pour faire du changement. Et on le voit avec Avatar. Avec Avatar, comme je vous l'ai dit, ben, l'année dernière lors de ma critique, ah, c'est pas parfait. Oui, il y a encore ce côté skin de Far Cry. Oui, il y a encore ce côté énormément de défauts où tu dois aller libérer des corps, etc. Cependant, et salut, salut Enzo. Non mais, t'as aimé Avatar qui est 10 fois moins bien que Star Wars. Donc là, tu me confirmes que t'as même pas joué à Star Wars en fait. T'as juste vu des vidéos YouTube ou des avis. Parce que pour avoir fait les deux, et attention, hein, je suis fan de l'univers Avatar, je suis fan de Star Wars. Donc il n'y a pas de... Mais Avatar, tu joues 4 heures, t'as fini le jeu. Parce que le scénario, il tire en longueur. Et dépasser 4 heures, tu commences à te faire chier. Parce que les missions, c'est quasiment... Connard de bonsaï. Putain, mais le mec, il arrive, il me fout la merde. Mais Avatar, en gros, l'univers est incroyable. La map de Pandora est incroyable. Mais au niveau du scénario et de l'histoire et de la narration, on souffle. Parce qu'on est dans les travers d'Ubisoft qui continue à avoir ce côté, on refait un petit peu la même chose. Et donc Avatar, tu joues 3 heures, t'as fini le jeu. Tu peux arrêter, t'as fini le jeu. Parce que après, la campagne, elle dure, je sais pas, quasiment une vingtaine d'heures de jeu, et c'est répétitif. Les missions, c'est quasiment tout le temps les mêmes. Où tu dois faire de l'infiltration pété, où tu dois faire des camps. Et au final, eh ben, tu kiffes Avatar pour l'environnement, te balader dans Pandora, mais l'histoire, la narration, c'est relou. Vraiment, c'est relou. Moi, je sais qu'à la fin, ça tirait en longueur. Et à la fin, j'avais hâte de le terminer. Et après, je me baladais, comment ça s'appelle, dans Pandora, et je kiffais, surtout la nuit. Dans Star Wars, ils ont corrigé tout ça. Et en fait, mais malgré ça, dans Avatar, tu sentais quand même que Ubisoft Massive essayait d'apporter des nouveautés. Ils essayaient de changer un petit peu le. Comment dire, tous les défauts des jeux Ubisoft. Et là, dans Star Wars Outlaw, mais ils ont quasiment réussi à gommer pratiquement tout. C'est-à-dire que t'as une campagne que tu finis en moins de 10, en 10 heures. Franchement, si tu fais que la campagne solo, tu la finis en moins de 10 heures. Donc, c'est une très bonne durée, ce qui te permet d'avoir une campagne simple et efficace, et ce qui te permet, en plus de ça, de ne pas avoir ce côté redondant qui tire en longueur où tu as l'impression de faire toujours la même chose. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, à côté de ça, mis énormément, mais tu as une pléthore de missions secondaires, de quêtes annexes, etc., qui sont indispensables pour bien faire avancer la trame principale. Donc déjà, au niveau de la structure du jeu et du cheminement, eh ben, tu es dans quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on a dans les jeux Ubisoft. Donc déjà, tu vois, sur ça change énormément. Et ensuite, t'as plus ce truc où t'as 10 000 camps sur la map qu'il faut récupérer. T'as plus ce truc où il faut monter au sommet des tours pour révéler la map. Ils ont gommé énormément de choses. Donc honnêtement, jouez à Star Wars. Alors, même si vous voulez pas jouer, mais ne critiquez pas et ouvrez pas votre bouche sur un truc que vous n'avez pas testé en fait. Et ça, c'est le gros fléau des réseaux sociaux, des gens qui veulent t'apprendre la vie ou qui veulent mettre un avis, mais sur un truc qu'ils n'ont pas testé. C'est comme si demain tu dis, j'aime pas les pâtes. Mais t'as mangé des pâtes? Non, mais j'aime pas. Non, mais goûte en fait, avant, tu peux pas. Tu vois? Et voilà, c'est. Mais attends, dépenser autant et être déçu. Mais t'as été déçu d'Avatar? Non, pourtant t'as dépensé. C'est dès le même prix. Et comme je te le dis, Avatar, il est là. Star Wars, il est là. Parce que, bah, pareil. Pourquoi tu kiffes Avatar comme tu le dis? Ce que tu kiffes le plus dans Avatar, c'est les à côté, te balader dans Pandora. C'est la force de Star Wars Outlaw. C'est-à-dire qu'on est sur l'un des meilleurs jeux Star Wars en termes de retranscription de l'univers. C'est-à-dire que Ubisoft Massive ont été très forts pour retranscrire et être fidèles à l'univers d'Avatar et de Pandora. Et là, c'est ce qu'ils ont exactement réussi à faire dans Star Wars. Donc déjà, si c'est ce que tu préfères dans Avatar. Si tu es fan de Star Wars, bien sûr, parce que si demain t'aimes pas Star Wars, je vais pas te dire, bah achète le jeu pour t'immerger dans l'univers. Mais ils ont réussi. Genre, je te garantis que quand t'arrives sur Kajimi
et que tu te balades dans la ville, que c'est la ville qu'on voit dans Star Wars 9, hein, quand ils vont chercher le réparateur de droïdes, tu te dis, putain, mais on est dedans. Tatooine, qui est quand même la planète emblématique de tous les Star Wars, puisque je pense qu'on la visite dans chaque film, dans chaque série, dans chaque animé Star Wars, on va dans Tatooine. Le spatiosport de Mos Eisley, t'es dedans, c'est vraiment, c'est à l'identique. Donc ils ont vraiment réussi à retranscrire, donc voilà. Après, moi, comme je dis, je suis pas ouvert et fermé au débat qu'on ait des avis différents, et heureusement d'ailleurs. Ça voudrait dire que vous imaginez qu'il existerait un monde où on a tous les mêmes avis, et donc ça veut dire qu'on serait tous fans de Fortnite, et qu'on trouverait tous que les meilleurs jeux du monde c'est Fortnite, FIFA, Call of. Au secours, heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes avis. Par contre, je pense que ça me dépasse, ça me sort de mes gonds, quand en fait vous n'avez pas joué à un truc, donc que vous n'êtes pas en capacité de juger, mais que vous voulez affirmer un avis. Et ça, parce que je vous le dis, c'est pas en regardant, même si vous regardez 15 tests de Star Wars Outlaw, c'est pas en faisant ça que vous pourrez émettre un avis. Il faut jouer au jeu, il faut pas y jouer une heure, il faut faire le jeu pendant au moins 5-6 heures, et là après tu vois. Donc à la limite, si vous me dites non, j'ai pas joué, par contre j'ai suivi un let's play, là d'accord, mais me dites pas, parce que là je vois des trucs sur Twitter, mais je vous dis les gars, non, c'est voilà. Exemple, je déteste les Souls-like, je n'ai jamais touché à un Souls et je n'ai encore moins touché à Elden Ring. Du coup, je comprends pas trop la hype autour de Elden Ring, mais à aucun moment je dirais, bah c'est de la merde. Bah non, j'y ai pas joué. Et je pourrais même pas dire non plus, c'est un banger. Bah non, j'y ai pas joué. Je voilà. Alors, j'ai vu des retours qui sont dithyrambiques, j'ai vu également moi aussi des trailers, des vidéos, mais c'est pas assez pour émettre un avis, tu vois. Voilà, mais même le gameplay me semble mou. Ça, c'est une supposition. Mais là, du coup, ton seul argument, c'est les mécaniques. Mais les mécaniques, c'est les mêmes qu'Avatar. Donc, pourquoi, si t'as kiffé Avatar, pourquoi tu kifferais pas? Je te rappelle que Ubisoft Massive, c'est ceux qui ont développé Avatar et Star Wars. Donc, c'est le même studio. Encore, ce serait Ubisoft Montréal, Ubisoft Bordeaux, Ubisoft Montpellier, Ubisoft... Non, non, c'est les mêmes équipes. Donc, c'est les mêmes mécaniques. D'ailleurs, t'as même beaucoup de... Mis à part que Avatar c'est en FPS et que là c'est en troisième personne, mais les mécaniques de jeu, notamment des trucs pour pirater, tu le retrouves dans Avatar, tu le retrouves dans Star Wars. Donc, là encore, tu vois, c'est non-sens. Parce que du coup, tu me sors un argument que je peux facilement te dire, parce que du coup, là... alors attends, Star Wars, l'ambition d'être au-dessus, Avatar, c'est quand même un sacré lore, hein. C'est pas parce que Star Wars existe depuis maintenant 56 ans, 77. Wow. Mais ça me perturbe, il faut que je fasse. Tac. Hop. Moins 47 ans. Ah, je pensais que ça avait 47 ans. C'est pas parce que ça existe depuis 47 ans qu'on a eu 9 films, voire même plus, 12 films, qu'on a, je sais pas, de série, que le lore... Voilà, Avatar, on en a eu que 2 films, mais le lore, il est complètement dingue. D'ailleurs, on le voit dans Avatar. Hein. On le voit dans Avatar. Maintenant, comme je te dis, tu n'as pas joué au jeu. Donc tu ne peux pas savoir si y a plus de possibilités ou pas. Moi, si je regarde... Je peux te garantir qu'il y a plus de possibilités dans Star Wars, rien qu'au niveau du gameplay. Parce que dans Avatar, mis à part tirer avec des armes, tirer avec un arc, courir, sauter, tu fais que ça. Dans Star Wars, t'as toute une partie à pied où... un boloss, mais faut regarder Star Wars, ça m'a découvert. Arrête ta gueule, t'avais kiffé à l'époque là, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes là? En plus, je t'ai fait mater les meilleurs. Mais du coup voilà, dans Avatar finalement tu restes sur un gameplay à pied, et des fois avec ta monture forcément. Dans Star Wars, t'as le gameplay à pied, t'as la phase de plateforme, parce que du coup t'as des plateformes, t'as des genres de donjons qui remplacent tous les camps, etc. pour chercher des trésors. Tu as le speeder, tu as le vaisseau, tu peux donc visiter les villes, les planètes, mais tu peux visiter en orbite, enfin... Je pense, voilà, en fait, le truc, c'est que chaque message que tu mets est facilement contrat, parce que finalement, tu montres
que d'une, tu n'y as pas joué, tu n'as pas assez d'éléments en ta faveur, et que simplement tu te dis, ah bah c'est Ubisoft, et bah voilà. Écoute, maintenant, comme je te dis, moi en tout cas, il y a ma critique à la fois vidéo et écrite sur Journal de Geek, et là, je viens de te donner tout ça. Moi, encore une fois, j'ai pas départ chez Ubisoft. J'ai pas départ chez Ubisoft, je suis pas payé pour te dire ça. J'ai déjà démonté des jeux Ubisoft. Maintenant, encore une fois, va voir ma critique de Avatar ici pour voir si t'es d'accord avec moi sur ce que je pense du jeu. Comme ça, ça te donnera aussi un avis. Mais voilà, je suis pas là pour te convaincre et te faire acheter le jeu. Je suis en train de te dire que ce que tu as là, tu te trompes. Et que les éléments que tu as en ta possession ne sont pas les bons. Et que ce n'est pas un avis que tu émets, c'est bah, quelque chose de faux parce que tu n'as pas les éléments en ta possession pour émettre un avis. Maintenant, après, si tu n'as pas envie de m'écouter, voilà, ça après, voilà. Moi, je pense que dans quelques temps, le jeu sera... Là, il est déjà accessible sur le Ubisoft Plus. Donc, ceux qui sont abonnés, n'hésitez pas à tester. C'est gratuit. Mais voilà. Mais en tout cas, moi, pour moi, j'ai pas honte de le dire, on est sur l'un des meilleurs jeux Star Wars de ces dernières années. Et on est sur l'un des meilleurs jeux Ubisoft de ces dernières années. Moi, c'est honnêtement, depuis Immortal Phoenix Rising en 2020, non 2019, et ben, depuis 2019, j'ai jamais autant kiffé quoi. Un jeu Ubisoft. Je dis par rapport à ce que j'ai vu, je trouve pas normal de devoir attendre 4 heures pour qu'un jeu soit fait. Mais c'est pas 4 heures! Je te dis déjà que la trame principale, elle se torche en 10 heures. Moi j'ai terminé le jeu en 22 heures parce que j'ai énormément rushé, mais l'introduction elle dure une demi-heure à tout péter, qui est un truc où en gros t'apprends un peu le truc et tout avant de partir en open world. Donc voilà, après je sais pas où tu as vu, quel stream tu as vu, quel let's play tu as vu, et si c'est un mec qui prend énormément son temps et qui fout chaque brindille, effectivement c'est pas très passionnant, mais encore une fois, l'introduction ne dure pas 4 heures, il faut pas attendre 4 heures pour que ce soit fun. Donc voilà. C'est... Après, je peux pas trop te demander de détails sur ce que t'as vu parce que j'ai pas envie de spoiler des gens qui ne l'ont pas vu. Mais encore une fois, et ce que tu avances là encore une fois dans les commentaires est faux. Est faux. Je ne sais pas ce que tu as vu. C'est sûr que si t'as vu 3 heures dans le tuto pour quitter Kanto, bon, je peux comprendre que ça va être chiant parce que normalement, une demi-heure c'est torché. Une fois que t'arrives sur la première planète. Et que tu commences l'histoire, si t'es fan de Star Wars, tu peux pas trouver ça chiant en fait. Hein. Et notamment à des moments, voilà, encore une fois, c'est très frustrant parce que j'aimerais vous dire certaines choses, mais ça va vous spoiler. Mais ils ont réussi là aussi à doser sur le fanservice. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un truc où ils vont nous mettre plein de trucs pour voilà, c'est juste encore bien dosé, ou au point, moi, j'aurais voulu qu'il y en ait un peu plus. Mais il y a des choses qui... Voilà. Le jeu, il sort dans 2 jours, je crois. Vendredi, je crois. Après Kanto, ça m'a pas emballé. Bah écoute, tant pis. J'espère en tout cas que tu seras emballé par ça. Par Welcome to Saison 3, les amis. Qui sera dévoilé demain à 18h. Le tout premier teaser sera dévoilé demain. Et donc, je vous confirme, parce que là, je viens de terminer une étape importante de la production. Et je vous confirme que ça avance bien. Et on en reparlera demain soir. Quand le teaser sera fait. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur YouTube. Juste ici. Comme ça, vous pouvez activer le rappel. Alors après, je vous rappelle. Hein, c'est un teaser. Donc, on est sur une minute hein, de vidéo. C'est pour vous dévoiler bah, quel est ce projet, quelle est cette saison 3. Après, vous aurez un trailer qui arrivera prochainement. Et donc, Welcome to Beauvais, exactement. Et après, il y aura la sortie du documentaire. Ça va arriver vite. Voilà, c'est ce que je vous dis. Ça va arriver vite. Donc, voilà. Je crois que c'est tout, qu'on a fait le tour. Et là, mine de rien, il est 20h40. Il va falloir... Eh ben, la play elle s'est même éteinte, on va rallumer la play et donc on va partir sur Uncharted. Et bonsoir personne, il y a des gens qui ont rejoint entre temps. Bonsoir Yagoche, bonsoir personne, bonsoir, non il n'y a que deux personnes qui sont arrivées, je pensais qu'il y en avait plus. À
Attila qui regarde les... Ah oui, la cérémonie des Paralympiques, c'est ce soir. Salut, cuisse. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Tac, hop. Et donc là, on part sur la fin de l'Uncharted Drake's Fortune, les amis. Hop là. La fin, la fin, la fin, la fin d'Uncharted Drake's Fortune. On en est à la fin, on en est au bunker, hein, donc bien entendu, pas de spoil parce que dans le chat, il y en a qui ne l'ont pas fait, qui n'ont pas découvert le jeu, donc c'est une... Eh ben ça commence super. Eh ben voilà, ça annonce la grosse soirée, donc je sais pas qui avait posé la question, mais non, je n'ai pas changé la manette et ça se voit. Mais en vrai, j'essaie de me convaincre que c'est une... On va encore voir parce que tu vois, je vais boire, voir si elle continue à bouger tout seul la manette. Non, c'est pas que je vois du vide, c'est qu'en fait, en vrai, la manette, elle merde. Mais jusqu'à maintenant, j'avais encore un doute en me disant, peut-être que c'est moi qui suis une quiche, mais on l'a vu lors du précédent live, où la caméra bougeait toute seule. Et en fait, il y a un gros souci aussi au niveau de... Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Qu'est-ce que... T'énerves pas Ou en fait, j'ai l'impression qu'il ne saute pas tout le temps. Et là, c'est qui t'est arrivé. C'est-à-dire que là, il a pas sauté. Et là, il a ressauté. Mais attends, c'est une dinguerie, là, ce qui se passe. Ok, bon. Le truc, c'est que la manette, elle est quasiment neuve. Donc, un petit peu le seum, si elle est déjà niquée. Bref. Petit récap, hein, forcément, pour ceux qui n'étaient pas là. C'est Canotre Piano qui semble se souvenir. Ah non, mais de toute façon, Uncharted, c'est des petits détails. C'est des petits détails. Mais du coup, oui, on a découvert que Sully n'était pas mort. On a découvert que finalement le trésor se cachait bel et bien sur l'île où on était. Et que du coup, bah, quitte à y être, on va aller chercher le trésor qui est donc la statue d'Eldorado. Alors que Roman et Navarro, eux, essayent de nous shipper le trésor. Ce cher Eddie, lui, bah, malheureusement, n'est plus de ce monde. Hein, n'est plus de ce monde. Et donc, on s'est échappé justement après qu'Eddie soit mort, puisque eh ben, il y a des espèces de grosses bébêtes. Qui nous pourchasse et on sait pas trop ce que c'est. Et donc là on s'est réfugié avec Elena. Et donc on va essayer d'aller remettre l'électricité pour pouvoir nous échapper. Tu m'entends ? Sullivan, réponds. Ah oui, on a été séparés. Ah, ça sert à rien, ça capte pas ici. On a été séparés de Sully forcément, qui lui est resté au monastère où, vers où se trouve le trésor. Uncharted, exactement. Alors, c'est la version PS4 parce que les 3 Uncharted ne sont pas sur PS5. Ce sont les versions PS4 qui sont rétro-compatibles sur PS5. Et donc, effectivement, on est sur Uncharted Drake's Fortune Remastered PS4 que l'on joue sur PS5 en mode rétro-compatible. Je regarde la cérémonie des paras et je te regarde. Ah, tu fais les deux en même temps ? Eh oui, c'est ce soir. C'est ce soir. J'avais complètement zappé. Après, je trouve ça un petit peu pété le fait que les Paralympiques soient 10 jours, 2 semaines après les JO normaux. Et qu'en gros, on est la grosse cérémonie d'ouverture pour les JO normaux, qu'on est la grosse soirée de clôture pour les JO normaux. Et que là, c'est un petit peu tout le monde aux F pour les paras. Qu'ils les fassent pas en même temps, d'accord, mais qu'ils les mettent vraiment à la suite, ça aurait été quand même, je trouve, un petit peu plus sympa. Qu'on aime ou pas ce premier, tout le monde se rappelle de ce passage. Ah mais complètement. Mais le premier... attendez parce que le travail... Ok d'accord. Le premier... J'ai cru qu'il était tombé. Le premier il a mal vieilli parce que effectivement c'était début de PS3. Naughty Dog a connu un développement très compliqué. Ils ont même pas fini le jeu comme ils le voulaient en fait. Hein. Ah oui, mais en fait je suis vraiment teubé, je suis revenu sur mes pas. Je comprenais pas ce qui s'était passé. Ok, j'ai eu une absence, désolé.
Donc c'est là. Tu les avais platinés. Oui, oui. Alors, je les ai platinés sur PS3. Sur PS4, il n'y a que le Drex Fortune que j'ai platiné. Et il faudrait que je platine le 2 et le 3. Ouais. Ils ont mis dans 3, 2, 1. Alors attention Amanda, parce qu'il y a, des gens sur le chat qui ne l'ont pas fait et qui découvrent totalement. Donc, on ne spoil pas trop pour éviter de gâcher le plaisir de ceux qui découvrent. Mais oui, en tout cas... Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ce premier Uncharted, il a mal vieilli parce qu'il date du début de l'époque PS3, parce que les Dogs n'ont pas pu le terminer comme ils le voulaient, mais ça reste... Merde. Ça reste un giga classique. Et pour ceux qui sont fans de la licence Uncharted et qui l'ont découvert à sa sortie, forcément que on l'apprécie parce que c'est toujours de la nostalgie quoi. C'est un jeu superbe, exactement. En fait, ce qui est dingue, c'est pour l'époque. Pour l'époque de se dire waouh, ils ont fait ça. Attends, là je suis pas con, enfin, il y a bien. Ah mais non, mais faut que je remette l'électricité que je suis con. Oui, forcément, en fait, c'est juste que là, il a un charme, il est... Et puis... Oh, merde. Ok. Ils l'ont à crever, ces gars. Ok. Ok. J'ai acheté une PS4 Pro rien que pour jouer à Uncharted 1 à 5. Ah bah, très bon investissement. En vrai, voilà. C'est des jeux comme ça qui justement te font acheter des consoles. Honnêtement, les Uncharted, enfin le 4. Oh, le 4, mais je l'aime d'amour le 4. Il est incroyable. Le 4, c'est un petit peu comme Red Dead Redemption 2. Tu sais, c'est un petit peu le jeu qui ne vieillit pas. Tu le relances cette année. Le jeu, il est toujours hyper beau. Il est toujours hyper beau, hyper... comme Red Dead finalement. Ouais, t'es loin à crever, mon copain. Hein. T'es loin à crever. Hein. Attends, parce que du coup, oui. Et je parle, je suis dans le chat, je suis déconcentré, je me perds. Je sais plus où je suis. Là, ok. Oh merde lui. Pas m'emmerder. Ça doit être la salle des machines. Bah oui Nate, il y a des machines. C'est forcément la salle des machines. Réfléchis un peu avant de parler. On dirait les décérébrés de Twitter là qui tweetent sans réfléchir là. Pas des munitions ni rien. Ok. C'est déjà bien qu'il y ait des jeux en soi en direct tous les jours, je suis d'accord avec toi. Ouais, non, c'est très bien, c'est sûr. Mais quand tu vois le cinéma qu'ils ont fait pour les JO normaux, bah... J'ai un petit peu l'impression que là, ça fait en mode, ouais, bon, allez, on les met à la fin, comme ça, ils sont contents, et voilà. Je...
Oula. Je sais plus s'ils peuvent monter. Je crois pas hein. Eh oui, ils sont un petit peu cons, ils savent pas monter. J'attends la PS5 Pro pour remplacer ma PS4 Pro. Ah bah bon choix Amanda. Parfait pour The Last of Us Partie 3, pour le prochain Naughty Dog. Enfin surtout le prochain Naughty Dog parce qu'à mon avis il a. Mais oh, qui est con. Il arrivera avant The Last of Us Partie 3. Parfait pour GTA 6, parfait pour plein de choses. Et bon si tout va bien, cette PS5 Pro novembre hein. Aux alentours du 14, 15, 16 novembre là. Ah j'ai sauté là. Tellement de voir la nouvelle licence Naughty Dog. Putain mais grave. Je sais plus si c'est magie du coup. Hein? Magie? Comment ça magie? Ah, je suis en train de recharger. Ok. Et merci, bienvenue Deka, ah, merci pour le follow. Possible. Quelle journée pourrie. Je sais pas si c'est une rumeur que tu avais débunké. Mais comment ça magie? Mais je comprends pas, c'est quoi magie? En fait c'est les nouveaux rapports de Insider Gaming, et notamment de Tom Anderson qui... ces trucs ont dû s'occuper de leur sort. Qui en termes de d'infos sur Sony, comment je vais sortir de là? Bah le mec il vise toujours juste hein. C'est lui qui avait annoncé en avant-première le PSVR 2, la PS5 avec le support détachable, la DualSense Edge, la gamme in-zone des écrans et des casques. Donc voilà, et là en fait dans un nouveau rapport ils ont confirmé que la PS5 Pro était prévue pour la fin d'année 2024. Et il y a eu un leak de la date de sortie de Lego Horizon prévue. Je ne sais plus si c'est le 14 ou le 16 novembre. Ce qui stipulerait que ce serait un jeu de lancement de la PS5 Pro. Sachant que c'est ce qui est arrivé pour la PS5 qui est arrivé en novembre. Pour la PS4 Pro qui est arrivé en novembre. Moi je pense que novembre c'est très clairement envisageable qu'elle arrive dans la semaine du 14-15 novembre. Très clairement. Donc ça me... Enfin... On en reparlera bientôt mais... Très bientôt même. Mais voilà. Ah le thème de la prochaine... Alors malheureusement... annoncé au Tokyo Game Show. Alors... C'est vrai que Sony revient au Tokyo Game Show cette année. Et depuis l'E3 2018, ils n'ont pas fait de salon. Donc j'ai envie de dire, ils reviennent pas pour rien. Maintenant, il y a une rumeur d'un State of Play. Et quand Tokyo Game Show déjà ? L'Eldorado porte une terrible malédiction. Les Espagnols ont libéré les enfers et en deviennent les suppôts. Mes hommes ont tous été assassinés, me laissant seul avec notre quête. Hello DJ, bien toi. Aucun navire me quittera cette île. Je les ai tous détruits et j'ai noyé la cité maudite. Un mal si terrible ne doit jamais quitter ses rivages. En cet instant ultime, je remets mon âme à en finir la cinématique. Qu'il pardonne en cet endroit maudit. Francis Drake. Mon Dieu. Oh
non, pas encore. Tu les entends? Ah! Merde, je me rappelle plus. Je me rappelle plus où faut aller. Alors, je disais pour effectivement le Tokyo Game Show, je pense pas qu'il revienne pour rien. Sachant que là, il y a eu une nouvelle rumeur de Jeff Grubb, qui lui aussi généralement est bien renseigné, qui confirme. Ok. Qui confirme un nouveau State of Play fin septembre. Et le Tokyo Game Show se déroule du 25 au 29 septembre. Donc oui, autant vous dire que je pense qu'un State of Play avec l'annonce de la PS5 Pro fin septembre lors du Tokyo Game Show, avec une sortie un mois et demi plus tard, à savoir en novembre, juste avant le Black Friday et juste avant Noël, cela me semble plutôt bien pertinent. Si ça sortit en novembre, il y a temps qu'il se bouge le boule pour l'annonce. Oh, bah, tu sais, ils sont dans les temps. Hein. La PS4 Pro, elle avait été annoncée en septembre, lors d'un événement dédié. Ils avaient annoncé la PS4 Pro et la PS4 Slim. La PS4 Slim avait été Shadow Drop, c'est-à-dire qu'elle a été sortie mais quelques jours après l'événement. Et la PS4 Pro était sortie en novembre. Hein. Donc là, il y a de grandes chances qu'ils nous fassent pareil. Alors oui, pour le prochain Naughty Dog, on ne connaît rien en fait, et même il y a un abonné qui m'a qui a répondu sous un replay d'Uncharted en me demandant de faire une vidéo sur tout ce que l'on sait. Malheureusement, on ne sait rien de bien concret sur le prochain, la prochaine licence Naughty Dog. Donc je peux pas. Il y a des rumeurs sur un thème médiéval, magie, un petit peu à la The Witcher, ce que j'espère pas. 5 sur 5, enfoiré. Et un thème sur l'espace, ça ce serait incroyable. Quel dommage. Nate, laissez-la tranquille, sale fils de... Ah pute. Navarro, si tu n'arrives même pas à contrôler une pauvre fille... Ça n'arrivera plus. Croyez-moi. Concorde. Mon dieu, quel enfer. Il m'a envoyé un code Concorde, j'ai toujours même pas rentré le code. Il m'a envoyé un code PS5, un code PC, j'ai même pas rentré les codes. Bien sûr. Oh, vous ne m'en voudrez pas si nous gardons Mademoiselle Fischer. Alors. Plus longtemps. Juste pour vous décrire. Attendez, il y a la cinématique. Et votre partenaire d'être trop créatif. Adieu, Nate. Ce fut un plaisir. Je suis pas du tout Heroic Fantasy. Rigole, trou du cul. The Witcher, j'ai pas accroché. Skyrim, j'accroche pas et tout. Donc après, j'étais pas du tout jeu de western. Et Red Dead, Rockstar avec Red Dead ont réussi. Donc peut-être que Naughty Dog arrivera à me séduire. Mais oh. Ouais. Mais du coup, je disais. Oh merde, c'est pas bon, ça. Donc ouais, soit ça, soit l'espace. L'espace, ce sera incroyable. S'ils font un State of Play, est-ce que ça va être limité? Alors, c'est sûr que si c'est un State of Play. C'est sûr qu'on attendait un showcase. Hein. Si c'est un State of Play... rafale là, t'es mort normalement. C'est pas genre. C'est parti. Joli. Arrière. Oh. Oh, 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 oh. Voilà, mais c'est la fête, il y a tout le monde là. Thank you.
Ok. Ça, c'est un peu la merde là. Il y en a combien de ces merdes là? Peut-être reprendre mon MP40. Lui là. Bouge pas, bouge pas. Voilà. Ok. On m'emmerdera plus lui. Sont moins durs à tuer, j'avoue. Bah après, on a l'impression. On a l'impression, c'est juste que comme je fais une visée. Comme je fais une visée comme ça, ils prennent une bonne grosse. Voilà, comme ils prennent des slaves de balles, on a l'impression que c'est moins dur, mais ils prennent plus de balles. Comme les fusils à pompe. Un humain en un pompe, il est mort. Quoi? Mais comment ça? Comment ça? Non, c'est d'où j'arrive là. On va pas s'emmerder. Mort, toi mon pauvre. Et pourquoi y a pas les zombies là? Comment ça, il est pas mort? Forcément. Ok, à plus. Attention. Hop. Ah mais je peux pas prendre le fusil à pompe là parce que. Enfin je peux pas prendre le sniper. Oh le M4x2. Je me souvenais pas qu'il y avait autant de... What? Oh, je viens de prendre un fusil à pompe. Putain, je recommence encore ici, il fait relou là. Il y a eu beaucoup de jeux dans l'espace, mais ça s'est calmé, donc ça va. Oui. Et il y a eu beaucoup de jeux dans l'espace, mais pas beaucoup de bons jeux dans l'espace. Ne laissez pas passer. Ok. Merde, putain. J'ai les commandes de Star Wars justement et du coup je fais n'importe quoi.
Ils sont relous là. On va reprendre un peu de vie hein. Oh là là, bâtard. Oh mais lâchez-moi les basques. Ah ouais, d'accord. Mais c'est qui ce bâtard là qui me shoot avec son pompe là? C'est toi là. Eh voilà. Oh, et oh, vous m'emmerdez là. Et vous m'emmerdez tous. Tous vous m'emmerdez. Voilà. À vous. Ok, à plus. Ah ouais, mais j'ai que 15 balles. C'est un peu tendu ça. C'est un peu tendu ça. Va falloir qu'on aille chercher le fusil à pompe là-bas. Voilà. Voilà. Oh d'accord. Eh ben c'est sport hein. Alors, on en était où? Attendez, les zombies mutants m'ont dit que les images j'ai vu. Je crois que tout ce que tu as dit, quoi que ce soit, ce qui est. Sully répond. Je crois tout ce que. Tout ce que dit. Je crois que tu t'es emballé, Attila. tu es un très bon journaliste. Bah, déjà merci, on va retenir ça. Parce que je crois que tu t'es un petit peu emmêlé les pinceaux. Mais merci en tout cas, c'est adorable. Moi j'attends un bon jeu spatial après No Man's Sky et plus réussi que Starfield sur... Oh là mais Starfield... Qu'est-ce que t'as pensé de Starfield? Bah pareil encore une fois, hein, si vous me suivez sur ma chaîne perso et que vous avez vu mes previews de la Gamescom l'année dernière, mais c'était un de mes jeux que j'attendais le plus. Pareil hein, si vous regardez, si vous me suivez sur ma chaîne perso, vous avez vu mon top 10 des jeux 2023 les plus attendus. Starfield c'était parce que j'adore l'espace. J'aime beaucoup Bethesda, hein. Fallout c'est mes top jeux. Et donc du coup bah Starfield voilà quoi. Et en fait énorme déception là encore une fois hein, tu vois par exemple on en parlait avec Star Wars, j'ai pris 10 fois plus de plaisir dans Star Wars sur toute la partie exploration de l'espace que... Oh bâtard. Que Starfield pour piloter les vaisseaux, pour tout ça, mais c'est 10 fois mieux Starfield. Star Wars. Starfield, tu passes ton temps dans les menus, l'histoire elle est mais tellement pétée, la réalisation là oui c'est daté, là oui c'est giga daté Starfield. Genre on est sur les mécaniques, on est quand même sur les mécaniques de Fallout 4 en 2015. Pitié. Pitié. Il est où l'attraction lance-grenade là? T'es foutu, Drake. Donc là oui je peux comprendre.
Je peux comprendre. Ça fait peur pour Elder. Alors. Bon, après, voilà, Elder Scroll, Osef un petit peu, hein, comme je vous l'ai dit. Je suis pas trop Heroic Fantasy, donc. Skyrim, je l'ai lancé 5 ou 6 fois, j'ai jamais réussi à dépasser l'heure. Donc voilà, mais j'ose espérer qu'ils vont se reprendre. J'ose espérer qu'ils vont se reprendre parce que ça reste un bon studio, hein, et c'est pas. Après Starfield, c'est pas une purge non plus, hein. C'est pas catastrophique. C'est juste que bah les jeux Bethesda, si ça passait très bien il y a 10 ans, je parle en termes de technique, etc., de graphisme, bah aujourd'hui en 2025, bah non, ça passe plus quoi. Ça passe plus. Et forcément que. Oula oula waouh. Et forcément que. Ah là là, putain, par exemple, le système de couverture est catastrophique. Alors toi mon gars, je vais te fumer encore. Il est où l'autre action? Ah, il est là-bas. Attendez les cocos. Attendez. 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 Il y a un joujou. Il y a un joujou là-bas. Que je vais aller chercher. Voilà. Bon, on va d'abord aller dégommer celui-là. Oula, je me suis loupé comme une merde. Voilà. Bon, lui commence à me péter les couilles aussi. Voilà. Il est où l'autre aussi qui me tire dessus là? Ah mais il est juste là. Oh celui T'es payé pour branler ou? Arrête celui, ils savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu... Je ne sais pas comment, mais cette statue a décimé cette colonie. Et elle a anéanti les Allemands. Pardon? Pas le temps, allons à l'église. Attends, fais le tour des munitions. Donc voilà, donc moi c'est un peu pareil parce que j'attends de ouf Fallout 5. Hein. Moi je pense que Fallout 5, après GTA 6, c'est l'un des jeux que j'attends le plus avec les jeux Naughty Dog, etc. Donc, parce que voilà, quand je dis que cela encore une fois, s'il y en a qui tombent sur ce live et qui vont péter un plomb, les pro Xbox, etc., je suis un gros fan des jeux Fallout. Hein. Si je cumule mon nombre d'heures de jeu sur Fallout 3, Fallout 4, Fallout New Vegas, c'est très violent. Mais en fait voilà, c'est que en termes de graphisme, de mécanique, de gameplay, ça passait jusqu'en 2015 avec Fallout 4. Mais là maintenant, au secours. Au secours. Attendez. Avant de... Après l'idée n'est pas non plus d'acquérir et d'apprendre quasi tout le dixième. Oui, c'est vrai. Oui, l'esprit critique est très important. Je reviens, je continue ma cérémonie. Reviens Reda. Un prochain jeu à tester, c'est quoi si tu peux le dire? Là, les deux prochains jeux qui arrivent, il y a Astrobot sur PS5 et Test Drive Unlimited sur la Chrome. C'est les deux prochains jeux qui seront en test sur la chaîne. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, en termes de jeu de let's play qu'on fera sur Twitch, il y a donc Astrobot, Test Drive Unlimited Solar Crown, Life is Strange, Before the Storm, Hail and War et The Getaway et Until Dawn. C'est tous les prochains jeux qui arrivent là pour septembre-octobre. Ouais, c'est bien là. Hein. Perso, Todd Howard est de plus en plus surcoté, le gars il vit sur ses acquis, il mise autant sur la commune, c'est aberrant, une aberration. J'aime beaucoup Todd Howard, mais c'est vrai que là il va falloir mettre les bouchées doubles. Ça a pas mal de sous, moi aussi je pense à chaque fois que je prends une manette, j'ai l'édition Starfield. Ah t'as l'édition Starfield carrément. Ah ouais. Ah ouais, ça m'aurait... Ouais, c'est... Bah en fait je comprends, ils ont tel... En fait ils ont survendu le truc.
même là, voilà, au niveau du marketing, l'édition Starfield, tout ce qu'il y avait, etc. Merde, y'en a partout. On va prendre ça. Enculé, je l'ai eu ou pas? Eh non, je l'ai pas eu. Ah mais y'en a deux? Non, je l'ai pas eu. Relou là. On va voir lui déjà. Oh le con, mais putain, mais Chris! Voilà. Mais attends, il y en a deux des lance-grenades ou... Mais oui, il y en a deux. Mais il y en a combien avec des... Lui, on va le calmer direct. Voilà. Lui aussi, on va le calmer. Vas-y, repointe ta tête. Bâtard. Non mais il est protégé par qui lui encore Non mais bâtard, montre-toi là. Oh le bâtard, je l'ai pas vu lui. Ah je l'ai pas vu. Tu es un très bon journaliste sûr et je crois ce que tu dis plus que d'autres journalistes. Bah écoute, merci beaucoup mon Attila. Moi j'essaie de vous effectivement de vous informer du mieux que je peux et le plus fiablement possible. Parce que ça me semble important. Enfin c'est. Le métier de journaliste, c'est un des métiers les plus importants au monde. Alors forcément, moi je suis dans le gaming. Je suis pas journaliste de faits divers, de guerre, etc. Mais pour moi, c'est tout aussi important. C'est-à-dire que les informations, les fake news, etc. C'est pour ça que quand je vois toutes les conneries qu'on voit... Oh les bâtards Quand je vois toutes les conneries que l'on voit sur GTA 6, etc. Mais moi ça me rend zinzin. Ça me rend zinzin. Et merde. Bâtard. Voilà. Hey Wick, merci pour les bits. Putain, bâtard. Arrête de bouger là. Putain. Ah, relou. Relou. Putain. Allez, on va tous s'en débarrasser de ces bâtards là. Allez, toi, barre-toi. Barre-toi. Oh non, putain, Chris. Oh non, mais c'est pas possible, putain, mais je mérite de crever là. Non, mais c'est une blague. Oh mais là c'est une blague. Il est pas mort ce bâtard. Ah super. Ah. D'où le dernier?
Voilà. Eh ben, il y a du mal quand même, hein. Oh merde. Waouh, mais tout ce qu'il y a là. C'est fini, Drake. Je le tiens. Ouais, super. Oh, ça pète dans tous les sens. Ils sont vraiment beaucoup nombreux là. On va y aller comme ça. Comment ça? C'est bon là? Non, ah mais d'accord. Faire une grenade là-haut. Amenez-vous. Feu. Allez-y. Ok. Ah oui d'accord, j'ai plus de munitions. Ok. C'est un petit peu la merde là. C'est un petit peu la dèche. C'est un petit peu la dèche. Voilà. Et toi, mon joli. Voilà. Par ici, Sully. Il doit y avoir un passage secret sous l'hôtel. Eh ben. Ah bah c'est 21h25, ça fait déjà une heure, on n'a pas fini. Oh bah finalement, on m'offrira un petit peu plus d'une heure pour finir. Eh, je pensais pas que c'était si long, même là le gunfight il a duré vachement longtemps. Il a duré vachement longtemps. Comment ça va mon week? En même temps quand on voit les shitstorms que vous prenez des fois, vous pourriez... c'est vrai, juste parce que tu oses dire la vérité et tu ne sors pas sur le buzz, tu te prends une vague de vomi, de pipi, de caca, c'est un truc de fou quand même. De l'or et des os. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Drake ne voulait pas emporter le trésor, Sully. Au contraire, il essayait de le retenir ici. Quoi? Il est maudit, c'est pas possible. Oh Nate, nom de Dieu! Écoute, je sais que ça a l'air dingue, mais tu dois me croire. Ah, je sais, mon Attila, je le sais. Et merci beaucoup, hein. Merci pour tous ceux qui me soutiennent, qui sont là et tout. Hein. Ouais, bon, en vrai, on a pas mis une heure, mais une heure et demie, quoi. Pour finir le jeu. Vous devriez pourtant savoir que je suis paré à toute éventualité. Lâchez vos armes. Là-bas. Pas de bêtises, je vous en prie. Ou bien je la tue. Bien. Maintenant, si vous le voulez bien, nous serons à vous dans un instant. C'est magnifique. De toute beauté. C'est de toute beauté. Auparavant. C'est qu'une enveloppe. Le véritable trésor de l'Eldorado se trouve à l'intérieur. Ouvrez-le. Quel bâtard.
Observe bien. Adios, jefe. Trop terre à terre. Bajen la red! Bajen la red! Navarro! Cette chose a exterminé toute une colonie! Tu sais pas ce que tu fais! Faux! Je suis la seule personne sur cette île à savoir exactement ce qu'elle fait! Carguela, est-ce à toi? Cuidado! Vous êtes tellement pathétique à vous chamailler pour votre cher petit trésor! Connaissez-vous au moins la véritable valeur de ce trésor? Et c'est comme ça que le Covid est arrivé. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Les Espagnols, Sonny, fidèles au poste. Sullivan, cette chose ne doit pas quitter l'île. Il faut l'arrêter. Vas-y, je te couvre. Oh merde, oh putain, j'avais pas vu qu'ils montaient tous là. Oh, c'était la foire à la saucisse ici là-haut. La technique du coup, c'est on attend. Comme ils savent pas escalader, ils prennent tous là. Et là... Salut! Hein? Quoi? Quoi? C'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette arnaque? Non mais c'est une blague! C'est une blague! Laissez-moi tranquille! C'est bon là? Ah, il faisait 34 degrés aujourd'hui. Il fait 34 degrés, ouais. Il va foutre le feu, lui, là. Avec sa clope de merde, là, putain. C'est fumeur, je vous jure, là. Trop badass et les... Nah. Trop badass. Et salut la mousse. Ah mais le Uncharted 4 il est... Il est trop au-dessus Uncharted 4. Il est trop au-dessus. Oh la vache. Et ouais moi je suis dans le sud hein. Je suis dans le sud. J'ai touché!
Tu peux plus nous échapper. Il a aucune chance. Ça fait mal. T'es pris au piège, Drake. Bon, ils l'ont à crever, lui, hein. Ils l'ont à crever. Bon, le moment du bateau, c'est pas le plus simple, hein. On va pas se mentir. En plus, tu commences avec le Space 12 qui a une portée moisie. C'est pour ça que là, on va bien récupérer les M4. Arrêtez-le ! Tu le pour ! Très merde. Non, putain, il s'est enlevé de couvert. Putain, le système de couverture, il est moisi. Allez. Oh non, putain! Les systèmes de couverture, ils sont trop chiants dans Uncharted, le premier. Allez, ça dégage. Attendez, je lis un petit peu le chat en même temps. J'étais voir la cathédrale de Strasbourg. Ah ben moi je l'ai vu l'année dernière, très très belle. Hein. Très très belle. Pas le meilleur final ce dernier chapitre. Ouais, c'est pas le meilleur mais ça va. Nombre de gunfights impressionnant. Ah ouais, dans le premier il y en a beaucoup. Hein. Le premier, ben, le premier c'est que du gunfight en fait. Hein. C'est... Tu me l'as déjà dit Attila, hein. Pas besoin de répéter, même s'il y a un message que je ne lis pas, je peux pas tout lire non plus, pas besoin de se répéter, je vois, vous inquiétez pas. Ah putain, il rechargeait au mauvais moment ce con! Non, mais c'est une blague là! La caisse qui pète au moment, c'est une blague sans déconner! Putain, mais t'es quoi? Ah... T'es un mort, mec. C'est fini.
En fait, je vais peut-être garder le space 12 en fait. Hein. Je vais peut-être garder le space 12. Arrêtez-le ! Tue-le ! C'est une blague! Oh non, mais c'est une blague! Putain! Ok. Mais je suis vraiment un abruti par contre, hein. C'est, je suis vraiment un abruti, hein. Sur là, hein. L'amour de Dieu. What? Déjà? Mais prends-les tes munitions là! Ça compte vraiment. Putain, mais j'avais pas souvenir qu'il était si compliqué ce jeu de merde là. Ce final de merde. Ouais, là, je suis en train de m'énerver là. Je suis en train de m'énerver, je fais n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi là. Abat-le.
Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Butez-le! Attention! J'ai plus de munitions. Je suis foutu, j'ai plus de munitions. Mais putain, j'ai plus de munitions, je peux pas. C'est quoi ce bordel? Mais il attend quoi lui là de sortir là? Arrêtez-le! Par ici! Il est mort! Non! Oh non, putain! Eh ben! Putain! Oh, ça m'aura cassé les couilles, hein! Allez. Vous ne pouvez plus vous planquer. Elena. Et merde, quoi encore? Tiens-moi. Ah putain, oui, je me rappelais plus. T'es à moi.
Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je te tiens ! Ok. Merde, putain ! Je me précipite, ça m'énerve ! En fait, je suis en train de m'énerver ! Parce que je joue comme une merde, comme un caca, là ! T'es un homme mort, Drake ! Je te tiens ! Mais putain, mais les QTE de merde. Mais c'est la manette, c'est sûr que c'est la manette. Là, honnêtement, je vous dis, c'est sûr que c'est la manette qui est flinguée parce que j'ai jamais foiré les QTE, je les connais par cœur, carré, triangle, carré et. Entre. Merde! Putain, entre les sauts ratés, etc., la manette elle est flinguée. Non mais les QTE, je les connais par cœur. Là, c'est la manette qui est flinguée. Je te tiens! Merde! C'est impossible! Elle marche pas! La manette marche pas! La manette marche pas, c'est un truc de dingue quand même! Mais ouais, mais. Mais en plus, les QTE sont simples, le jeu je l'ai fait 20 fois, je le connais par cœur les QTE! Je joue avec ma PS5! Bah, je suis sur PS5, je suis sur. Non mais c'est ma manette de stream en fait. Ben. Mazel Tov. C'est ma manette de stream, mais c'est une manette qui a été envoyée par Sony, c'est l'édition LeBron James qui est. Mais elle a quoi ? Un an et demi ? Et je m'en sers que pour le stream. Donc, on n'a pas fait des jeux PS5, on en a pas fait non plus Ouais mais bon, à peine un an après, c'est chaud quand même. C'est manette est flinguée au bout d'un an. Parce que là, Sony m'ont pas envoyé la manette Astrobot, mais je l'ai acheté, 80 balles. Si dans un an elle marche plus, je pète en plomb. Mais du coup voilà, je vais changer. La manette LeBron James va partir et ce sera la Astrobot qui va la remplacer. Je vais devoir partir les mains vides. Oh, au fait, j'ai réussi à sauver une petite bricole. Mais c'est la goth, Elena, c'est la goth. Je me suis dit que ça te manquerait sûrement. Merci. De rien. Vu d'ici, vous êtes vraiment trop mignons tous les deux. Salé. Eh ben dis-moi, t'as une de ces têtes? Dis donc, tu t'es pas regardé. J'ai trouvé un bateau. Mais on a déjà un bateau. Oui, un gros bateau. Moi, je préfère celui-là. Celui était vraiment incroyable. Oh. Je l'ai piqué à deux pirates qui étaient un peu morts, alors ils ont pas pu râler. Oh. Et la petite musique. Ne spoilez pas les personnages, il y en a qui n'ont pas fini le jeu. T'inquiète pas, il y aura d'autres qui n'ont pas fait la série même. Tu me dois toujours quelque chose. 2007. T'inquiète pas pour ça. C'est quand même le meilleur thème du monde.
Et voilà. Ah, Christophe Balestra, Bruce Riley, Amy Henning, Evan Wells maintenant qui n'est plus là, enfin qui va bientôt partir, Josh Rohr. Putain, tous ces noms aussi. Hein. Si on parle de, Rockstar, mais chez Naughty Dog, il y a eu beaucoup de départs aussi. Hein. Il est où ? Neil Druckmann en game designer. Neil Druckmann, il est juste là, les amis. Bien avant The Last of Us. Balestra, il a arrêté le JV. Merci pour le pour les beats, cuisse. Merci pour les beats. Christophe Balestra, il a arrêté le JV maintenant. Il a repris une entreprise, ou il a lancé son entreprise, je sais plus quoi. Mais il a arrêté le JV, malheureusement. Joli pour du 2007. Ouais, pour du 2007, il est vraiment très cool. Il y a quelques mois, tu m'avais dit que le youtubeur Jojol qui avait fait sa fake édition de luxe de GTA 6 allait t'envoyer un truc à propos de la vidéo. Oh, merci, merci Cuisse. Merci pour les 5 subs offerts, c'est adorable, merci beaucoup. Bah en fait, il va pas me l'envoyer, c'est quand on va se voir. En fait, je suis très, très bon pote avec Gianni, le mec qui bosse avec lui. Et donc il m'avait dit qu'il m'avait mis un truc de côté. Alors ce sera pas la manette, hein, ni la statue. Je pense que ce sera les fascicules. Et donc du coup, on verra. Mais ouais, j'ai hâte. Mais en tout cas, merci Cuis, t'es au top. Merci, merci, merci pour TV Vercetti. Merci pour The Dimzo. Merci pour MonkeyJV. Merci pour Ether Dertonen. Et merci pour Legends38. Du coup, voilà les amis. Bon, attendez. Parce qu'il y a deux possibilités. Soit Inzoï marche. Et donc, on va se lancer sur Inzoï. Soit il ne marche pas. Et donc, il y a quand même de grandes chances pour que du coup... Attendez. Il prend le coup, la France, il a... Mais il n'y a pas de hasard, je l'avais tout prévu, je leur avais dit. Vous me laissez finir Uncharted, et après on enchaîne. Alors non, pas Uncharted 2 tout de suite. Uncharted 2, je pense qu'on l'enchaînera peut-être vers fin d'année. Octobre, novembre, c'est bien un jeu d'hiver ça. Uncharted 2, c'est bien un jeu d'hiver Uncharted 2. Uncharted 1, c'est le jeu de l'été, parce que, île tropicale. Uncharted 2, c'est le jeu de l'hiver. Donc on le fera sans doute pour novembre-décembre. Je suis en train de lancer Steam. T'aimerais bien voir... Ah, Inzoï. Ah ouais, mais apparemment... Apparemment, je me suis fait un petit peu baisaï, puisque la bêta était jusqu'au 26. Putain, à deux jours près, quoi, sans déconner. Ça, c'est toujours moi. J'ai le sens du timing incroyable. J'ai un sens du timing incroyable. Bibliothèque. Inzoï. Oh non, putain, la bêta elle est terminée. Ah, j'ai trop le seum. En plus, putain, 40 gigas, j'ai téléchargé pour rien, là. Foutu, quoi. Et j'ai vraiment le seum. J'ai vraiment le seum. Je vais désinstaller Lost Record aussi, puisque du coup, la bêta... Hop, là. Ah, j'ai vraiment le seum. Une invitation. Hein. On m'a invité au nouveau jeu de Valve. Ok. Ok. En vrai. Oui, mais bon. Il y a ceux qui jouent à la bêta, il y a ceux qui jouent au jeu définitif. Du coup, je pense que vu l'heure, s'il y a quelqu'un qui... Si vous avez un sujet de discussion, on peut se lancer sur un sujet de discussion pendant une petite demi-heure. Parce que je vous rappelle que là, comme en ce moment, j'ai beaucoup de travail. On est plutôt sur une fin de stream vers 22h30. Donc si jamais vous avez envie de parler d'un truc, allez-y.
Mais sinon, je pense que je vais cesser le live ici. Parce que bah, j'ai du travail. J'ai du travail. Et que j'ai des choses à terminer ce soir. Par rapport à Welcome To. Donc voilà. Bonne soirée à gauche. Merci à toi. Si tu veux montrer le jeu, vous le verrez bien assez tôt, les amis. Non, en vrai, je pense qu'on va, on va cesser le stream ici. Parce qu'en plus, là, du coup, le replay, je pourrais directement le mettre. Sur Naughty Dog Mag. Et en vrai, les débats philo, il y en a beaucoup qui me le demandent. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je fasse la story. Faut que je fasse une nouvelle story. On va faire. Oui, je suis en train de bailler, c'est le signe qu'il faut, faut qu'on arrête. Je suis en train de regarder, j'en suis où là dans mes stories. On a fait remords et regrets, amour, solitude. Il y a argent, travail, bonheur, santé mentale, les peurs, le temps, la motivation, les réseaux sociaux, les voyages, la créativité, la lecture. Ça fait beaucoup de trucs, hein. Welcome to où ? Eh ben, rendez-vous demain à 18h pour le savoir. Je vous rappelle, les amis, que demain à 18h, il y a le reveal de Welcome To. Forcément, ça marche plus. Hop là. Tac, si vous allez sur Rockstar Mag, elle est là. Tac, à 18h, il y a le reveal. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et demain, 18h, alors pareil, comme je vous l'ai dit encore une fois, ne vous attendez pas à un truc complètement fou, parce que demain, c'est le teaser qui... vous révèle sur quoi ça va porter. Ensuite, on en reparlera demain soir en live à 20h. Je répondrai à vos questions, tout ça, mais voilà. Contrairement à d'habitude où j'annonce mes projets et qui prennent tout le temps du retard, là il y aura pas de retard. C'est le seul truc. Voilà. Un petit indice pour les personnes qui sont présentes actuellement. Toutes les propositions qui ont été faites jusqu'à maintenant, que ce soit sous les commentaires de la vidéo ou dans l'onglet communauté là, dans les 14 commentaires, tout ce qui a été fait, personne n'a trouvé. Donc, ce qui à la fois est un assez gros indice quand même. C'est un assez gros indice. Le teaser il dure une minute. Le teaser il dure une minute. Et donc voilà. Voilà. Eh oui, personne n'a trouvé. J'avais été sûr. Là, vous êtes... personne n'a trouvé. Welcome to Saint-Denis. Non, personne n'a trouvé. Donc, je suis plutôt content. Je pense que ça va vous surprendre. Je peux vous dire que le documentaire va faire à peu près 1h20. Il n'y aura qu'un seul épisode, ça va durer à peu près 1h20, je pense. J'ai pas encore terminé le montage final, donc je peux pas trop vous dire. Et donc, voilà. Welcome to Montélimar. Et non, ça a été proposé. Ça a été proposé dans Welcome to Montélimar, donc c'est pas ça. Le let's play était trop rapide. Et ouais, je sais, mais il y aura Uncharted 2, il y aura Uncharted 3, il y aura Uncharted 4, il y aura Uncharted The Lost Legacy, il y aura Uncharted... Ah mince, ça s'appelle comment déjà, je m'en rappelle plus. Sur PS Vita, Golden Abyss. Donc voilà. Monaco, non, bah, bien sûr, on reste dans, dans les jeux Rockstar, les amis. En vrai, dans les jeux Rockstar. Sur ce, les amis, bonne soirée, promis, je te serai Star Wars quand j'aurai plus d'argent. Ouais, si tu veux pas, en attendant, on le fera sans doute en live. Peut-être que le live te donnera envie. On le fera pas tout de suite, peut-être l'année prochaine, mais peut-être que le live te donnera envie. En tout cas, les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici, parce qu'effectivement, en vrai, malgré tout le taf que j'ai en ce moment, je suis pas trop en retard. Je bosse bien en ce moment, je suis vraiment dans ma bulle. Et donc, j'ai pas envie de mettre en retard ni rien, et surtout, j'ai pas envie de vous faire attendre. Donc voilà. On se retrouve demain à 20h pour Test Drive Unlimited 2.
et parler du reveal de Welcome To. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live Uncharted. Merci à tous ceux qui ont suivi le live ce soir, etc. La team des viewers de l'ombre, merci à tous les amis. Je vous demande de passer une bonne soirée et de passer une bonne nuit. Et nous, on se retrouve tout de suite sur les réseaux, sur mon petit Twitter et sur mon petit Instagram. Mais surtout, rendez-vous dès demain. Merci pour les bits, quiz, dès demain en stream sur cette chaîne à 20h. Prenez soin de vous. À demain.